Alors, dans les nouveaux, nous avons Charles, je crois. Est-ce que Charles s'est déjà présenté à tout le monde? Je ne crois pas, hein. Si, non, je ne crois pas. Est-ce que Charles veut se présenter aux autres? Est-ce qu'il dit oui ou dit non, Charles? Allez, Ah ouais, bon. c'est Bonsoir, Charles. ouais, bonsoir tout le monde. Bah, je sais pas quoi dire. Alors, c'est très simple. Déjà, on va se tutoyer si tu veux bien. Tout simplement nous dire qui tu es, enfin, c'est-à-dire qui tu es, c'est-à-dire si tu joues de l'harmonica depuis longtemps, est-ce que tu débutes, quel niveau tu as et pourquoi tu as choisi de jouer de l'harmonica? Ah ben j'ai pas encore commencé harmonica en fait. J'ai D'accord. pas pu. Enfin, D'accord. j'ai Et... Non, mais il n'y a pas pas de pu. souci. Et, Alors, ouais. pourquoi l'harmonica? Qu'est-ce qui te plaît dans cet instrument? Je saurais pas dire. Peut-être pouvoir l'emporter avec moi et le son, tout simplement. Je joue de la guitare en fait, déjà. D'accord. Donc, tu es déjà guitariste et tu as envie de jouer l'harmonica pour compléter, pour jouer en même temps qu'avec la guitare ou pour jouer avec d'autres guitaristes? Je sais pas trop. Parce qu'il y a des morceaux qui iraient bien à l'harmonica, je sais pas pourquoi. C'est ce que D'accord. j'ai. Quand D'accord. je joue la guitare, je me tiens. Ça, je ferais bien l'harmonica. Ça irait bien. Ouais. Mais Voilà. c'est bien, c'est Plein une de bonne. morceaux qui iraient bien, bien. D'accord. Ouais, clairement. Donc tu pars d'un ressenti et tu te dis waouh, ça j'aimerais bien le faire à l'harmonica, quoi. Ouais. Bah, Alors, en fait, c'est ça. c'est une Puis pour excellente. travailler l'oreille aussi. Parce que à la guitare, j'ai du mal. Donc Bah... pour apprendre les hauteurs de notes, tout ça, pour travailler l'harmonica, ça sert à ça, en fait, aussi. Pour pouvoir jouer naturellement. Ouais, d'accord. Ouais, Ok. voilà, c'est ça que je Avec un cherche. Instrument qu'on peut balader partout, effectivement, ça c'est l'avantage de l'harmonica, c'est qu'il tient dans la poche. Ok. Bah, si souvent dans mon boulot, si je peux emmener ma guitare, j'en jouerai souvent avec les personnes. Et si j'avais l'harmonica, j'en jouerais sans aucun doute. Oui. Bah, c'est vrai qu'il y a des anecdotes comme ça de personnes qui avaient un peu de mal à jouer devant les autres et qui se sont dit, bon, après tout, l'harmonica est dans la poche. Un jour, j'oserai le sortir. L'avantage de l'harmonica, c'est qu'on peut le cacher, quoi, parce que la guitare, quand on débarque avec la guitare, on dit, ah, ben, pourquoi t'es venu avec ta guitare? Ah oui, donc on est obligé d'en jouer ou on se dit, bon, c'est un peu délicat. Alors que l'harmonica, on se dit, bon, je l'ai avec moi, je ne le dis à personne. Puis le jour où j'ai vraiment envie, je me lance, quoi. Mais personne ne va dire, bah, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac, forcément, quoi. Donc il y a comme ça une personne qui hésitait vraiment à sortir l'instrument et un jour s'est dit en réunion de parents d'élèves, allez, j'y vais et elle a commencé à jouer l'harmonica. Waouh, génial, super, et vas-y, recommence tout ça. Donc du coup, elle n'arrête pas de jouer, quoi. Bah, ouais, super. Bah, merci de ta présentation, Charles. Bienvenue.